Bonjour à tous, eh bien, j'avais vraiment envie de partager aujourd'hui une petite sèche qui m'a souvent sauvé du capot. Ça s'appelle l'iris cadis, une petite cadis quoi, qui est faite avec différents petits matériaux, simple à monter, juste être très très précis. Je la monte avec, on peut monter avec, là je vais la faire en 18, c'est très petit, vous pouvez la faire en 16, ce sera plus facile à monter. Il vous faudra également de l'antron. Là, je vais prendre vert. Il y a plusieurs couleurs. C'est sympa comme matériau. Il va vous falloir du bigne. Moi, je vais choisir en gris. Voilà. Vous allez prendre ce gris-là. Du bigne de lièvre. Je prends une plume CDC blanche et je vais utiliser du poil pâte de lapin. Voilà, on va faire le montage tranquillement. C'est vrai que cette mouche, il faut lancer vraiment midi 10h. De façon à bien voir que lorsque vous lancez, que votre. Vous savez pêcher bien sûr, mais pour ce modèle, il vaut mieux que la ligne soit vraiment. Que la ligne. La soie tombe en premier, vraiment, s'allonge vraiment sur l'eau, et qu'en dernier vienne votre bas de ligne, la pointe, avec la mouche qui vient se poser tranquillement sur l'eau, en faisant aucun bruit en fin de compte. Souvent, vous verrez que moi, souvent avec les sèches, parce que là c'est une sèche, souvent avec la sèche, eh ben, il se trouve que j'ai des attaques, pas forcément la prise, c'est-à-dire qu'elle le refuse. Et pour éviter, alors celle-là, vraiment, lorsqu'elle se pose, je peux vous dire que c'est pas une attaque, hein. C'est vraiment gober, plonger, et là vous ferez, vous la sortez. Vous verrez, c'est un régal. Celle-là, alors là, souvent, elle m'a aidé vraiment à vraiment faire de belles prises. Bon, on va monter, on va prendre du fil. Je vais le faire en fil blanc. Si je ne me trompe pas, où est-ce qu'est ma mouche? Non, oui, non. Je vais le faire en couleur rouille. Bon, allez, je démonte celle-là, je ne l'ai pas fait, pas préparé. Ça va être rapide. Donc, fil rouille. Je vais par là. Sympa ces petites bobines avec un petit calage ici pour serrer le fil, c'est bien. Bah, pour monter votre fil, hein, vous connaissez. Deux techniques, soit aspirer par la bouche, et moi je prends. Impossible. Je perds pas plus de temps. Et ça marche. Allez, c'est parti. On va commencer l'enroulement plutôt sur le milieu de la rampe. Voilà. Caler votre fil. Tout de suite serré. Et je coupe. Je prends un petit bout. Un tronc. Il va falloir que je fasse propre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Tiens, les ciseaux sont partis. Ça peut être loin. Pas besoin de répéter, hein, juste pour faire le petit queue. Plus épais quand même. Ça me plaît pas. Petit matériau sympa ça, qui permet de faire pas mal de petites mouches très 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 sympa. C'est
table ou le canapé profond. C'est comme habiller une femme avec une robe. Et la robe est belle. La femme est encore plus belle. Comme le tissu se donne, comme il est élastique. Et on coupe. Il faut suffisamment le temps pour pas qu'il y ait pas de fausse. Maintenant, on va le passer à la machine à couper. On bloque. On revient. Je coupe l'excédent pour faire trop long derrière, ça va rien. Voilà, juste ce qu'il faut. C'est sympa. Le petit bout qui dépasse. Allez, du bing. Chargez pas trop pour le dubbing, faites le fin, essayez d'enrouler fin. Vous me faire plusieurs fois, pas en mettre de trop. C'est bien plus facile. Le résultat est bien meilleur. De toute façon, ne pas vous accrocher. Bravo. Le même son. Faut se féliciter soi-même parce que des fois, personne ne le fait. Mais Pierre-Alexandre doit déjà se concentrer sur la pièce la plus importante de sa commande, le sofa du salon, qui fera plus de 5 mètres de long. La coupe de balai, et on va prendre la plume de CDC, on va faire une petite boucle. Délicatement. Là, il s'agit de faire une petite boucle. Ce sera une sculpture assez imposante. Tout ce qui est en jaune sera en or pur 24 carats. Et tout le centre, comme les parties brillantes, seront en argent. Ah, juste une petite boucle comme ça. C'est tout. Blocage. Et on coupe. Là, on va prendre une petite pincette du poil de lapin. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux, moi? Ils sont là. Ils étaient tombés. Souvent comme ça, on cherche. C'est comme les lunettes, on les cherche et elles sont sur le nez, quoi. Juste une petite pincette qu'on pose ici. On prend l'excédent et on serre 2-3-4 tours. Ça ne bouge pas. On va couper l'excédent. On va finir aussi au fin. On essaye d'être détendu, on est en arrière, conscient de nos mouvements.
fait quelques enroulements serrés pour tenir le tout. Moi, je vais tout de suite brûler l'excédent. Voilà, tout simplement ça. Maintenant, on va faire un petit enroulement spécial. Vous allez utiliser soit du stick, hein, si vous n'avez pas. Moi, je prends un tube, c'est de la glu, hein, c'est pour encoller mes fibres de poils de lièvre, de dubine de lièvre. Voilà, grassement mis sur le fil. Voilà. Une pincette de dubing. Alors le but c'est de les rassembler ensemble, bien mélanger. Ce qu'on va faire, le montage là que vous devez connaître, mais un peu particulier quand même, toujours un peu complexe. On pose. Là, il faudra faire un enroulement sans chercher à remettre de l'ordre. Il faut enrouler, c'est tout. C'est parti. Lionel n'a plus que 2 semaines pour finir son blason et organiser un vernissage dans la brasserie. Oui, ça va être un gros bazar. N'hésitez pas, c'est après que vous ramènerez. Juste à dégager le yé. Allez, on y va, Boubou. On fait sa tête. Les choses avancent pour Aurélie, Victoire et Guillaume. Quelques semaines après leur arrivée, ils ont déjà trouvé la maison. C'est bon, le yé est dégagé. Voilà, je serre. Ok, c'est bon. C'est fait. Voilà, vous avez le dubbing qui vient se plaquer contre le poil de lièvre. Et c'est tout. We finish. On brûlera un peu avec la flamme du briquet à l'excédent. Pas bouché. Bon, toujours un peu difficile pour faire la tête, là bien sûr. C'est rack, hein. Un petit hameçon. C'est dégagé. Je vérifie que mon œillet est bien dégagé. Avec une aiguille pour être sûr. Je vais remettre quand même une petite goutte de vernis, impeccable. Je vais mettre un petit peu de colle. Bon, je prends celui-là. La colle est derrière. Voilà. Un peu de cyanurite. Super glu. Hein. Avec l'aiguille, hein, parce que c'est fin. Hop, c'est suffisant. La goutte est bien entrée, ça m'a calé mon fil. Il n'y aura pas de surprise. Je revérifie si mon œil est bien desserré, bien ouvert, pardon. Impeccable. Voilà, c'est tout simple. Je tire sur les fils, les poils qui passent un peu trop. C'est tout simple, vous voyez, mais ça, je peux vous garantir que ça marche très bien. N'hésitez pas à vous amuser à en faire quelques-unes. Toujours bien les avoir dans sa boîte. Voilà, une petite sèche qui va vous rendre bien des services au bord de l'eau. Vous n'allez pas regretter de l'avoir fait. Enfin, moi, je vous la conseille. Je l'ai retrouvée sur des vieux documents, mais vraiment... Il disait qu'à l'époque c'était une furie, ben oui, je m'en suis rendu compte aussi.
Bon, allez, au prochain montage, eh bien, n'hésitez pas de liker pour si vous avez aimé. Les commentaires, je remercie ceux qui m'ont fait des commentaires qui sont déjà abonnés. C'est très sympa, j'aime bien. Ça me permet de savoir s'il y a des choses à améliorer. Et s'il y a des questions, bah, effectivement, j'essaierai toujours d'y répondre. Allez, à bientôt, au prochain montage.